bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur Ratchet et Clank Drive. Je vais pas dire tout le nom, quoi. Vous avez compris. Ah, bonjour, Dimension. Dimension. Je sais que j'ai été absent pendant. Vous savez combien de temps. Alors, il faut qu'on rattrape le temps perdu. T'as raison, vous devez vous demander ce que je faisais. Oh, j'ai parlé avec mes fans si dévoués. Admirez mon superbe décor et découvert qu'il y avait deux lombax insolents en cavale qui cherchaient à tout dévaster. Donc, j'offre une prime de 3 flubillions de fonds de liberté Nefarius à quiconque me ramènera ces devoriens à fourrure, morts ou vifs, mais vifs de préférence, que je puisse d'abord m'amuser un peu avec. Mon formidable réseau d'espions affirme qu'ils seront très bientôt sur Blizzard et sa vallée. Alors au travail maintenant. Et si ces deux lombax m'écoutent, sachez que je compte bien vous réduire en cendres et qu'ensuite je jetterai vos cendres sur un soleil et qu'ensuite je jetterai ce soleil dans... Super, l'autre Nefarius m'a ajouté à sa liste. Et il sait quelle est notre destination. Oh, non. Mais on s'en fout, nous. Alors, c'est parti pour la suite. Alors, déjà... Là, on voit qu'on... Ah, là, on voit qu'on n'a pas tout pris. Pas un oublié, robot, deux boulons et le truc de tenue. Voilà, laisse tomber, il nous manque une chier de trucs. Ok, ok, ok. Par contre, je crois qu'on va vite retourner plutôt. On va continuer. J'hésite... Allez, j'ai un prendre. Bon pressentiment. On va rester avec elle. C'est parti. Ah ouais, on va découvrir la suite. Oh. Sur Sargasso, tu disais avoir donné le dimensionnateur à Ratchet pour qu'il puisse trouver les autres Lombax. Oui, t'as tout compris. J'aurais jamais cru en rencontrer un autre. Encore moins retourner chez moi, si on peut dire les choses comme ça. Tu crois vraiment que c'est possible? Non. Non? Non! Ok. Ça sent pas bon là. Pas bon du tout. Bah c'est bien détruit. Hein. Je crois que c'était pas prévu. Je n'en suis pas très sûr. Alors. Là. Oh attendez, on va juste un petit peu ma cam. Hein. Je crois qu'on va se mettre là. Normalement, je dérange personne. Non, je dérange personne. Parfait. La femme est parfaite. Là. Boulons, oui, des boulons. Toujours des boulons. Hop. Le blison semble avoir absorbé l'énergie des failles dimensionnelles. Joli, 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 joli. Autre dimension. Ah, c'était comme ça. C'est la tienne, okay. Tu crois? Non. Mais nous y trouverons du quartz phasique intact. Partons à la recherche des mineurs. Attends, fouiller et qu'on s'y détruit. Je sais pas du tout, j'ai des trucs intéressants. Tout ça. Ok, là, y'a plus rien. Ouais, y'a plus rien. Serre-toi très bien, mon frère. Alors. Hop. Alors. Oh, seul. Tenez, cadeau. Ne me dis rien qui vaille. Je crois qu'on ferait mieux de se concentrer sur les crabes toxiques d'abord. Mais mon pote, je suis pas sûr à vous dire tout ça. C'était quoi ça? Une secousse sismique. Peut-être causée par l'effondrement des frontières entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a là? On a bien tout. Donc c'est mauvais signe. Il faut qu'on passe de l'autre côté de cette fenêtre pour actionner le déverrouillage. Okay, encore un truc dimensionnel. Rien. Oui, la situation est de plus en plus instable. Cela explique pourquoi la mine est désertée. Il y a Madame Zurton. Des raffinés échangés, mon chou. On va prendre ça. Un nouveau jouet. Soit il est dit à fond. Est-ce que j'ai pas commencé à améliorer une? Oui, j'ai commencé à améliorer celle-là. Merde.
Ah, on va laisser Poisson. Hop. Jusqu'à quand tu vas finir comme ça? C'est chaud ça pour quand même jouer avec ça. Ah. Pour info, je viens de découvrir qu'il y a une autre dimension où Blizzard est encore intact, alors... Encore intact? Mais comment? Mais oui! Le Blizzard! Si la planète n'a pas encore été détruite... Chelou la meuf. Qui c'était? Est-ce que tu sais de quoi elle parlait? C'est certainement une... Bon, elle est bizarre, c'est tout. Ce qui s'est passé ici. Bon, il nous faut... Là, un autre visé. Cristal de Blizzard. Okay, bon, ok, oh joli saut, joli. Ok. Alors, déjà, les boulons. Les troupes de Nefarious. Chop mon boulon. Nous avons trouvé un moyen de passer et de retourner dans la dimension intacte. Ok. Tu joues un petit peu avec moi, y a pas de problème. Touché. Sorti. Elle est bien mort. Hop. Juste faire attention à pas faire le con. Tout ça est devant moi. Ok, ils sont revenus. Dégage. Tiens. Parfait. Là c'est fait. J'aime pas trop cette arme, mais je dois bien la mettre au niveau. Comme ça c'est fait. Nous devrions nous adresser à un mineur ou un ingénieur dans la dimension intacte. Pas de problème. Je me laisse ramasser les boulons. Ça c'est pour moi par contre. Elle envoie ce message dans l'espoir que quelqu'un l'entende. Nous y réfléchirons après avoir récupéré le quartz. Hop, la retrouve. Et top le commande. Et on va quand même utiliser go. J'adore avec le bruit là. On entend tout. Ok, alors. Soit à moi. Les caisses on va prendre, sans hésiter. Madame Jure qu'on est derrière maintenant. Ok, là il y a un autre truc. On va préparer. Je pense qu'il va avoir un guet-apens. Peut-être que non. Ah, oui. Voilà, avec ça, ça va m'aider un peu. Les blocs de lave sont mignons quand vous n'essayez pas de nous croquer les chevilles. Autant dire jamais. Ouf, dégagé. Ok, vous êtes pas trop là. Bon, là, on élimine gentiment les choses. Allez, fais un saut. Excellent travail. Pas mal. Tâchons d'atteindre la crête. Alors là, hop là, pas de problème mon ami. Allez, j'ai trop vite. Bravo. Hop. Dégage. Là j'ai mal vu. Oh putain, j'ai vu une merde. Ça dégage. Allez, je peux. Allez, sort. Alors là. Pirate? Non, pas du pirate. Hey, on est où là? On s'en fiche. Chopez la lombax. Sympa. Salut les amis. Encore des goons for less. Désolé, je vais là. J'ai bien utilisé
cette arme. Pas beaucoup en plus. Tiens. On est en train de tourner des ennemis avec l'arme. Hop là! Cadeau! J'ai cliqué. Ouh, j'ai bien lancé celui-là. Touché. Cadeau. Dernière. Ah, j'ai raté. 15 dans ta gueule. 10 balais. Oh bordel de merde. 10 balais. Ça se prend volontiers. Les munitions c'est fait. Les boulons c'est fait. Tout fouillé. Je vais te cacher partout les trucs là. Non, y'a rien. Ok, non, il semble qu'il y a rien. Mode de schizo. Hop, on a loupé là. Regardez là au loin. Déjà je peux pas aller là, ok, pas grave, hop. Mais par contre, là oui. Tac. À ton avis, c'était qui cette personne dans ma dimension? Il y a même des boulons. Je n'ai rencontré personne comme elle sur Blizzard dans ma dimension. Dégage. Ok, là c'est fait, c'est terminé. On va ramasser tous les boulons. Ah, je vous ai dit, il faut fouiller les chars recrons. Hein. Chars recrons dans ce jeu, c'est important. Là, il y a un même endroit, je sais pas où c'est. On va dire, on va prendre ça. Un petit boulon. Oui, 4 boulons. Par contre, je sais pas comment aller de l'autre côté, moi. Donc, déjà, on va ramasser ça. Ah, bah, c'est juste pour une petite. Ok. Ok. Ah bah ça c'est pas moi. Hop, merci. Hop. On dépêche. Hop. Je dois bien arriver gentiment un peu plus loin. Ah bah on doit s'asseoir. Ah, ah oui, on doit par contre. Ok. Merci du coup de main, Bruno. J'ai pas vraiment l'habitude. Ah, papa. Un moyen d'extraire le quartz. Le malin. La foreuse géante, peut-être. Trouvons quelqu'un qui va mourir. Oh, j'ai crevé là. Comment ça va me mettre? Oh non, je peux attendre. Ah, ok. Ciao, mon ami. C'est pour moi ça. Ah, ça c'est fait. Ouais. Bonjour les amis. Ah, ouh. Voici le centre d'exploitation. Quelqu'un ici pourrait nous orienter vers la foreuse. Le poste de contrôle de l'ingénieur en chef devrait être tout près. Je parie que t'es incollable sur les mines. En effet, par exemple, sache qu'un mineur passe en moyenne 72% de sa vie sous terre. Oh, c'est vrai? Non, mais je voulais satisfaire ta soif d'anecdotes. Ok. Ces gens ont l'air tout aussi déroutés que nous. Séisme, verrouillage, faille interdimensionnelle. Je peux les comprendre. De toute façon, si on a besoin d'une foreuse. On va frapper. L'arrivée sur Blizzard dans ma dimension pourrait se produire ici. Si on peut frapper, c'est qu'il y a quelque chose ici. Cassez-vous. Ok, vous voulez quelque chose? Tiens. Voilà. Pas moins calmé. Y'a quoi là?
Là, il y a aussi. Hop. Ici. Ok. Je pourrais ici. Essayez de les prévenir. Boulon. Mais est-ce qu'on m'a écouté? Non. Qu'est-ce que ça brille? Deuxième, je le refuse pas. Ah, pour retourner ici. Ah, ok. Bah, je crois que c'est bon, hein. Ah, c'est bon. Dans ce monde. Dans ce monde, je dois s'occuper. Alors. Ouais, voilà. Normal. Mais non. Merci. Rien. Non, on vient acheter un truc. Si tu gagnes, tu l'achètes. Ouais, je sais pas, il me dit. On va plutôt faire normal. Je crois que nous approchons du poste de contrôle. Les décorations sont légèrement plus colorées que dans ma dimension. Boulon, concentre-toi. Oh, toutes mes excuses. Cadeau. Deux. Merci. Ma vie, j'ai déjà pas mal. Prenez l'ascenseur pour accéder au site. Ah, le chef. Ok, on compte ça alors. L'ascenseur, ça va être ça. L'effondrement dimensionnel semble s'accélérer. Waouh. Mortellement, effroyablement joli. Ok. Tiens, ça doit être l'ingénieur en chef. Ah bah, j'avais pris mon grand, on dirait. Vous entendez ça? Non. Des voix. Ça fait pas très longtemps que je les entends, mais à chaque fois c'est au même endroit que ces trucs violets. Oh. D'abord les séismes, le blison, et maintenant ça. J'entends rien du tout. Sauf quelqu'un qui vous demande si vous allez bientôt extraire du quartz phasique. Pas tant que ce mystère n'aura pas été résolu. Si ça se trouve, tout le site de forage est hanté. C'est pourquoi j'ai envoyé mes robots scientifiques scanner ces choses violettes. Et alors? Il faut que j'aille les récupérer. Quand il n'y aura plus de danger. Pourquoi attendre? Bon les gens, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça fait déjà presque 18 minutes. On en soit très prochainement. Peut-être envoyé par la personne. Amuse-vous bien les... Ciao. Ils nous aideront peut-être à...